Hey tout le monde, c'est Jonathan. On se retrouve à nouveau sur Assassin's Creed Origins, puisque après le pack mort-vivant et le dieu en difficile, on a quoi aujourd'hui, le 6 mars, le mardi 6 mars? On a aussi la quête introductive du DLC The Curse of the Pharaohs. Donc, comme pour The Hidden Ones, on a une petite quête une semaine en avance qui nous permet de préparer le DLC, voilà, qui va nous sûrement nous donner quelques petits indices. Des petits éléments de narration, et elle est juste ici. Regardez. Voilà. Donc, est-ce que je vais la voir tout de suite? Le monde vit ses derniers instants. Nous marchons côte à côte dans la douate. Ouais. Je vais quand même vous montrer, les amis, juste la description. S'il y en a une d'ailleurs, dans la carte, regardez. Donc, il y a deux endroits, je sais pas pourquoi. Faut peut-être faire les deux. Il y en a une à Crocodilopolis, des lueurs parmi les dunes. Et une ici à comment s'appelle cette ville? À Hermopolis. Voilà, c'est peut-être la même mission, je sais pas, on va voir. Et il n'y a pas de description. D'accord, très bien. On verra ça après Les alors. rumeurs sont venues de Thèbes. La lumière d'or annonce la venue des âmes sans repos errant dans le désert. Oui. Lumière d'or. D'accord. Âmes sans repos. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on a la quête. Des lueurs parmi les dunes. Ah voilà, on a la description. Donc la région du désert du Désérette bruisse de rumeurs à propos de lumières spectrales et d'apparitions alarmantes. Ah bah exactement, c'est ça en fait. D'apparitions alarmantes. Donc c'est un petit peu ce que je vous ai dit, hein, et ce qui a été annoncé pour le DLC avec les momies qui apparaissent comme ça dans le monde réel. Et finalement, par contre, ça se déroule à... Où ça? Où ça? Oh! Ah ouais, ici, carrément. Ah ça c'est une surprise. Mais en tout cas, celle qui est à Crocodilopolis, ça s'est effacé, donc je pense que c'est la même. Je sais pas pourquoi ces deux villes en particulier, mais... Écoutez, bah je vais m'y rendre, les amis, avec ma superbe monture. Regardez. Hop, pour ceux qui ont raté, voilà. Pour ceux qui ont raté ma présentation du pack mort-vivant, je vous invite tout de suite à aller voir sur ma chaîne, hein, et vous verrez qu'on peut obtenir cette jolie monture. Donc on se retrouve sur les lieux de la mission, à tout de suite. Donc voilà les amis, on n'est plus très loin. J'arrive au tombeau et j'étais en train de me questionner sur la route. Est-ce qu'on va pas rencontrer une momie justement? Ah, est-ce qu'il nous introduirait pas un petit combat en... avec une momie C'était quoi? pas comme ça la dernière fois que je suis venu. Ah ouais? C'est la lumière que j'ai vue à Siwa. Ah bah déjà on a quoi? Attendez, faites voir. Ah oui, quand même! Ah bah c'est des squelettes les mecs là, c'est des zombies! Alors, hop! On a un objectif à proximité. Ah ouais, regardez! Des espèces d'éclairs là! Une espèce de coup de foudre quoi! Alors attendez, qu'est-ce que je dois scanner ici? Oula! Ici, je dois aller, ok. Ouais, mais moi j'ai peur de m'aventurer là-dedans maintenant. Imaginez, je me prends un coup de foudre, quoi. Faut pas le faire. Oula! Ça continue d'apparaître, ok. Ok. Il sent la mort, hein. Bon, déjà, ils sont en train d'introduire un petit peu le côté. Voilà, le retour des morts, quoi. Dans le monde des vivants. Vous voyez ce que je veux dire? Wow, 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 non, non, non! J'ai fait une dinguerie. Oh, regardez! C'est quoi ça? Ah non, mais attends, c'est quoi ça? C'est un garde en feu avec deux autres gardes squelettes. Oh, c'est lourd! Ils m'ont pas vu. Ah si, là, ils m'ont vu. Mais j'ai fait une dinguerie là avec le dromadaire, je sais pas si vous avez vu, remarqué, enfin si vous avez tous vu, mais bon. Allez hop! 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 Je fais quoi? Je me retourne, bim! Eh! Hey, c'est pas du combat ça les gars, hey, regardez, ils disparaissent. Comme dans Prince of Persia, les sables du temps. Alors comment on rentre? Et ils sont où les éclairs là? Ah voilà. Ok. C'est qui ça? Ah j'ai plus de flèches, merde. Les morts se lèvent.
Oh, attention l'esquive. Merde, apprends à viser, hein. Bah, c'est ça de pas avoir la visée auto, les gars. Et ouais. Quand on n'a pas la visée auto, on vise pas forcément bien. Donc apparemment, c'est par là que je dois rentrer, non? Ah, pas vraiment. Oh, oh. Oh! Les serpents, ils font des dégâts, mon gars. Je sais pas si vous avez remarqué ça dans le jeu. Ils vous enlèvent une barre de vie en un croquement, quoi. En un croc. Ah, mais comment on grimpe? Une porte ou un truc comme ça, non? Faites voir. Il y a bien quelque chose. Ah, non, ce serait pas justement par là-bas, là. Là où il y a l'espèce de tablette. Pas la tablette, mais le message des anciens. Ceux qui étaient là avant. Ah, ça c'est vraiment cool en tout cas de nous introduire directement les espèces de soldats zombies là. Squelettes. Ouais, je pense que c'est ici. Oh. On y arrive. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, apparemment je dois enquêter. J'ai une enquête à faire, les amis. Inspecteur Bayek, je vous écoute. Oh, on a une tour qui s'est activée. Elle était pas comme ça avant. Quoi? Quoi, lui? C'est qui? C'est un être humain, j'ai eu peur. J'ai de la chance d'être en vie. J'ai été attaqué par des morts. Des morts habillés en soldats. Je les ai rencontrés moi aussi. Comment t'es-tu retrouvé ici? Je suis à la recherche de l'armée perdue de Cambys. C'est une vieille légende. Des milliers d'hommes perdus à jamais dans une tempête de sable. Il paraît qu'ils transportaient une grande quantité d'or. En m'approchant, j'ai vu une lumière dorée. Enfin, me suis-je dit, les dieux m'ont choisi pour trouver le trésor de l'armée perdue. Es-tu un aventurier ou un pilleur de tombes? Un homme doit bien vivre. Je suis entré et j'ai vu tous ces corps morts depuis des siècles. Et derrière, un objet brillant. Dès que je m'en suis emparé, j'ai entendu des bruits étranges. Je me suis empressé de le charger dans ma charrette quand des êtres horribles, une sorte de soldats, m'ont attaqué. Pendant que le dromadaire s'enfuyait dans le désert. Viens, je vais te conduire en sécurité. Non. Ah. Tu dois trouver mon dromadaire et récupérer le mystérieux artefact. Je suis sûr que c'est lui qui a fait revenir l'armée perdue d'entre les morts. Je vais comprendre ça correspond. Cache-toi ici. Ça correspond tout à fait au scénario de la malédiction des pharaons, hein, The Curse of the Pharaohs. Puisque le scénario, c'est quoi? C'est tout simplement qu'un artefact ancien a été volé dans une tombe et a déclenché la malédiction. Bah, c'est exactement ça en fait. Mais je pensais qu'il aurait été introduit directement dans le DLC. Et bah non, en fait, c'est via cette petite quête introductive. Et bah, franchement, elle est pas mal. Mais attends, je dois le récupérer où, là, en fait? En dehors? Parce qu'il est où? Ah ouais, d'accord, il est là. Ok, bon, il faut que je remonte à la surface. Ok. C'est vraiment cool, ça. Vous voyez, je m'attendais vraiment à une quête aussi pétée que celle qui avait introduit The Hidden Ones. Qui consistait, je crois, à détruire... des réserves, je sais plus quoi là. Enfin, c'était vraiment pourri. Mais alors là c'est cool. Déjà, on a un nouveau type d'ennemi, les gars. Ça, c'est le feu. Bim. Il y en a un sur le côté, je l'ai pas vu. Petit salaud, va, hein. Allez, c'est nous. Attaque. Pokémon. Rends-moi mes flèches, par contre. Voilà. Je vais reprendre ma monture parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Tac. Ah ça franchement, le DLC, les amis, ça promet. Ça promet, hein, si on a des ennemis qui arrivent comme ça, là, bim. Ça, c'est lourd, ça. Bon, je vais pas m'attarder dessus, parce que je sens que je vais en rencontrer tout le long. On va vite sortir de là. Salut. Il est pas pressé, le dromadaire, hein. Allez, cours. Tiens, ils esquivent bien, en plus. Salut. On va retrouver son dromadaire. Ah, lui, je l'ai eu. Oh, genre, juste pour un petit truc, quoi. Ah, j'ai plus de flèches. Oh, merde. Oh, tant pis.
Oula, regardez. C'est quoi ça? Wow, ça monte jusque dans le ciel. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? C'est l'artefact qui fait ça? Putain, mais regardez, ça spawn de partout, hein. Faut vraiment que je cavale, hein. Oh. C'est vraiment bizarre. En tout cas, c'est super d'avoir, donné un petit intérêt au temple. Parce que, outre la tablette et le petit jeu avec les miroirs et tout, plus le message des anciens, ce lieu, il était super cool, mais il avait pas d'intérêt. Et là, maintenant, il en a un, quoi. Enfin, il est au cœur d'une mission. Ça, c'est marrant. Ah, merde. Ah bah ouais, mais merde, si vous mettez une tempête, les gars, bah l'objectif, je crois que c'est simple, hein, c'est ça, hein, merci. Pas besoin de c'est nous. Oh là! Oh là là! Ah bah attendez. On va juste prendre c'est nous et on va s'approcher, on va voir ce qui se passe. Ils sont en train de chanter. Oh, il y a le... On voit pas très bien les amis à cause de la tempête, mais c'est des humains du coup qui sont en train de faire un espèce de rituel autour. C'est très étrange. Voilà le dromadaire. Et que font-ils? Gars, je prends juste ça. J'espère que ça vous dérange pas. What? Artefact non identifié. What? Regardez, regardez, ils ont les yeux rouges. Wouah. Ils sont possédés. Oh non, je tue des innocents là. Putain. Tac, tu fais ça. Tac. Hop là. Rapporter l'artefact au tombeau. Pour mettre fin à ce cauchemar. Non, et c'était lourd ça, hein, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh là, ils viennent même en cheval. D'accord, ok. Vas-y, viens. Ah, c'est un cheval de feu en plus, on dirait. Bah moi, même moi, je suis en train de cramer. Ah ouais, il était vraiment en feu, le gars. Attendez, je vais quand même préparer mes attaques parce que... Hop là, voilà. Ah ouais, c'est bien des chevaux de feu, quoi. Waouh, 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 waouh. Eh, cette ambiance dans ce... Oh là là, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Oula, il y a là les ennemis autour de moi là. Je le sens. Il y en a même un derrière du coup. Hop là. Ouais, ouais, regardez. Oh, c'est lourd, hein. Je peux pas leur voler là. Ah, je vous vole votre cheval, les gars. Avec grand plaisir. Ah, mais je tue le cheval en même temps. Ah, c'est dommage. Qu'est-ce que ça va faire quand je vais rapporter l'artefact? Est-ce que ça va annuler la malédiction? Est-ce que... Bizarre, ça. Ah, on ne cesse d'être impressionné avec ce Assassin's Creed. Ils en rajoutent tout le temps. Est-ce que je vais refaire la même chute que tout à l'heure? Parce que là, je vais pas avoir le choix, là. Ouf, j'ai eu peur. Attends. Vas-y, casse-toi, là. T'es en train de me cramer. Je sais même pas où je dois aller. Ah non, si, c'est bon. C'est ici. Je bouge de là. Je fais quoi, les amis? Je saute? Ça va être une chute fatale, là. Oula, petit ralentissement. Je fais quoi? Je fais quoi? Je saute? Non, là, je sens si je saute, là, c'est la fin pour moi. J'ai pas envie de mourir, hein. Faudrait que je refasse la même chute que tout à l'heure, quoi. Attendez, on va faire quoi? On va la jouer... On va la jouer propre. Bon, voilà, j'ai trouvé une petite entrée, les gars. J'ai dû faire un tour, hein. Je vous ai fait une petite coupure. Allez, casse-toi. On va vite rapporter ça pour annuler la malédiction. Je l'espère. C'est quoi ça? Tagada, tagada, tagada. Wouhou! Oh, c'était beau ça. J'ai kiffé.
Attends, c'est où l'entrée déjà? C'est là, hein? Ouais, c'est là. Je peux rentrer avec mon véhicule. Merci, monsieur. Allez, on y va. Et on va la déposer là. Hop! Merci! Allez, allons voir notre cher ami. Est-ce qu'il est toujours là, d'ailleurs? Où est-il passé? Non. Ah ouais? Ne dis pas qu'il m'a feinté, hein. C'est là qu'on met l'objet? Il doit y avoir quelque chose derrière. Tu vas retrouver ta juste place. Oh! Wow, 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 qu'est-ce que j'ai fait là? Oh! Oh bah là, j'ai tout réactivé là, les gars. Il y a plus d'ennemis que... Wow, en plus ils font mal. Wow, ils sont agressifs de malade. Regardez. C'est des grands fous, eux. Allez. On peut le faire. Allez. On prend. Tac. On va pas se laisser abattre. Je me battrai jusqu'à la mort. Ils sont grave résistants. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait, les amis? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a fait faire, le gars, en ramenant la pièce? Il se trouve, c'est moi qui ai activé la malédiction. Putain. J'ai jamais fait un combo aussi difficile. Il y a tellement d'ennemis, on dirait qu'ils crèvent jamais en plus. On voit pas leur barre de vie, tout ça. Est-ce que justement, il faudrait pas se laisser crever? Parce que je suis en train de me demander là. Si tu vois pas la barre de vie des ennemis, c'est qu'ils vont en arriver à gogo. Hein. Écoutez, je vais m'en faire encore quelques-uns. Si je vois que ça veut plus, enfin que ça réapparaît en masse. Attends, toi, je vais tuer ta grand-mère. Voilà, désolé des gros mots, les gars. Hop. Ah non, je crois que ça arrive vraiment en masse. Je me défends comme je peux, mais. Vraiment chaud. Ah ouais, je crois que je vais me laisser mourir, les gars. Regardez, il y a encore combien là? Ouais, ça spawn en masse. Ça ne s'arrête pas. Fuir le tombeau. Ah mais je suis con, moi je vois même pas l'objectif. D'accord, ok, désolé. Ah ouais, putain, je suis tellement concentré dans le combat que j'avais même pas vu qu'il faut fuir. Putain, ok. Oh là là, oh là là! Allez, vas-y! Je suis sûr, vous êtes tous dit pendant que je combattais, mais regarde l'objectif du con! Ah, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Ouh putain! Oh là 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 là! Ah ouais! Attends, je vais appeler mon. Viens là! Mon tueur! Il est où? Qu'est-ce qu'il. Hé frère! Viens m'aider! Ça sert vraiment à rien, cette monture. Waouh! Ah, quand je disais qu'ils ont donné une importance à ce lieu, j'ai pas exagéré, hein, parce que là, ils ont fait encore mieux que ce que je pensais. Je pensais que ça s'arrêterait à la découverte du petit morceau. Et finalement, regardez, il y a encore tout ça. Allez, vas-y, j'y suis presque. Il en peut plus. Il est épuisé, Bayek. Oh là, oh là! Qu'est-ce qui se passe? Ah, où suis-je? Tu es enfin réveillé. Nous t'avons retrouvé errant dans le désert. Où est l'aventurier? Et l'objet? Tu étais seul. Nous n'avons trouvé que toi. Tu parlais d'une armée perdue. J'ai affronté des soldats revenus de la douate. J'espère sincèrement que tu as plutôt été victime de la chaleur.
Ces rumeurs venues de Thèbes terrifient tout le monde. Prions Osiris pour qu'elles soient fausses. Des lueurs parmi les dunes. Quête terminée. Putain les gars. Oh, en plus on a un arc. Attrape âme. Oh. Voilà les amis. Lâchez votre plus gros pouce bleu parce qu'elle était juste énorme cette mission. Oh lolo. J'ai surkiffé. Limite, c'est bon là. J'étais dans le truc et c'est coupé. Putain, sortez-nous le DLC là. Oh. Attendez, on va regarder l'arc. Attrape âme, vous dites. Il est là. Bon, il est pas... Oh, si, ça va. Bah, visuellement, il est pas ouf. Ça, c'est vrai. On dirait juste un bout de bois, quoi. Regardez. C'est vrai que visuellement, il est pas ouf. Mais, voilà, dans les stats, il est plutôt bon. C'est un arc de quoi, déjà? De... Merde. De... Un arc léger. Et il a la santé atteinte. Voilà, cette arme est si précise qu'elle embroche les âmes. D'accord, carrément. Ok, bon, et bien les amis, comme je l'ai dit, lâchez votre plus gros pouce bleu pour cette mission, dites-moi ce que vous en pensez, si Ubisoft a vraiment fait du bon taf là pour nous introduire au DLC, si ça vous a donné envie de l'acheter ce DLC ce mardi 13 mars, hein, mardi prochain, est-ce que vous comptez l'acheter maintenant? Est-ce que aussi vous aviez prévu de ne pas l'acheter et que maintenant que vous avez vu cette quête, vous avez envie de l'acheter? Ah, dites-moi aussi ça, j'aimerais bien avoir plusieurs versions. Voilà, donc moi je vous dis abonnez-vous si c'est pas déjà fait, car on va arriver dans un gros mois Assassin's Creed, hein, avec justement ce DLC qui va être énorme. Là on a eu justement un petit aperçu qui est au-dessus de mes espérances. Franchement, je m'attendais à vraiment rien. Là ils ont mis la barre très haute, Ubisoft, bravo hein, les gars. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Portez-vous bien. Tchuss.